En fait, la question traditionnelle, c'est 4 millions, puisqu'il s'agit maintenant de 4 millions. Vous rêvez de... Ah, plein de choses. Par exemple, oui. Permis, voiture, voyage aux Antilles, enfin... Bien, alors un petit coup d'œil sur la pyramide des gains, bien sûr. C'est ce qui nous intéresse au plus haut point ici. Regardez, ça grimpe de 1000 jusqu'à 4 millions de francs à l'issue de la question numéro 15. Il y a deux paliers qui vous sécurisent. Le premier à 10 000 francs, question numéro 5. Le second à 300 000 francs. Les trois jokers que vous utiliserez à bon escient, vous réfléchirez bien comment les utiliser, lequel choisir, le 50-50, le coup de fil à un ami ou le vote du public. Et vous, de votre côté, si vous voulez venir nous rejoindre, vous appelez le 08 97 66 50 50 ou le 36 15 code TF1. Frédéric, on y va? C'est parti. C'est parti. Voici qui veut gagner des millions. Première question pour 1000 francs. En compétition olympique, lequel de ces styles de nage n'existe pas? Le papillon, la brasse, le crawl, la baleine? Réponse D, la baleine. Ah, on commence par des questions un peu délicates. Bonne réponse, en effet. La baleine, 1000 francs. Deuxième question. Pour 2000 francs, le héros télévisé spécialiste du système D s'appelle Mac Aaron, MacGyver, Hammer ou McEnroe? Sans hésiter, B, MacGyver. MacGyver, bien sûr. Bonne réponse. C'est pour vous permettre... de vous décontracter ce type de question pendant quelques minutes encore. Complétez cette expression familière. Quand les poules auront des poils, des bras, des écailles ou des dents? Réponse D, des dents. Vous voulez vraiment pas utiliser de joker? Non. 5000 francs, quatrième question. Familièrement, on dit RAS pour rien à sortir. Rien à signaler, rien à sauver, rien à subtiliser. Réponse B, rien à signaler. Rien à signaler, réponse B. Voici pour vous, Frédéric, 5000 francs. Nous arrivons au premier palier avec cette question qui vaut 10 000 francs. Quel célèbre berger allemand était la mascotte de l'émission 30 millions d'amis sur TF1? Lassie, réponse A. Mabrouk, réponse B. Rintintin, réponse C. Médor, réponse D. Réponse B, Mabrouk. Réponse B, Mabrouk. Si c'est la bonne réponse, vous atteignez le premier palier de 10 000 francs, alors qu'Émilie me semble très confiante. Elle a raison. Frédéric. Attention. Frédéric, attention. Moins d'un quart d'heure, 4 millions de francs. Question numéro 6. Dans quel jeu trouve-t-on la tour et le fou? Les dames, le craps, les échecs, le solitaire? Je dirais la réponse C, les échecs. Réponse C, les échecs. Vous jouez, Frédéric, pour 20 000 francs. Est-ce votre dernier mot? C'est mon dernier mot. La tour et le fou se trouvent... Non, mais je... Quarante mille francs. Question numéro 7. Dans l'œuvre de Carlo Collodi, comment s'appelle le papa menuisier du petit Pinocchio? Est-ce que c'est Archimboldo, Giacomo, Geppetto, Pirandello? Je dirais la réponse C, Geppetto. Donc, d'après vous, le papa de Pinocchio, c'est Geppetto? Oui. C'est votre dernier mot, Frédéric? C'est mon dernier mot. Émilie est tout sourire. Émilie est tout sourire, c'est que... Elle sait que vous avez bien répondu. Au
collègues doivent se dire, pour l'instant, hein, ça va, ils se débrouillent pas mal. Hein. Ouais, c'est vrai. Huitième question. De quel pays la Sardaigne dépend-elle? La Grèce, réponse A. La France, réponse B. L'Italie, réponse C. Malte, réponse D. La France, non. Malte, non, je pense pas. J'hésite entre la Grèce et l'Italie. Essayez de situer géographiquement. Ouais, c'est en dessous de la Corse, donc je dirais l'Italie. Puisque la Grèce est quand même assez, assez éloignée. Je suis à peu près sûr que c'est l'Italie, mais bon... Alors je dévoile. Allez. Je vais dire la réponse, c'est l'Italie. Est-ce que c'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot. La réponse était... En plus, votre réflexion à haute voix était logique. Vous dites la Sardaigne, c'est sous la Corse, donc l'Italie est toute proche, il n'y a aucune raison. Mais enfin, vous êtes à la tête de 80 000 francs. Vous pouvez partir avec après avoir pris connaissance de la question qui va suivre, ou alors continuer ce que je vous souhaite. Question pour 150 000 francs. Dans la mythologie égyptienne, qui était le dieu du soleil? Io, réponse A. Pi, réponse B. Ra, réponse C. Alpha, réponse D. Comme je connais assez bien la mythologie égyptienne, je dirais Ra sur le coup, mais je peux me tromper. Ça fait un certain temps que je la maîtrise. Vous la connaissez bien, c'est-à-dire que vous l'avez étudiée? Je l'ai étudiée pas mal. Je me suis beaucoup intéressé à l'égyptologie, mais là, ça fait un certain temps. Attendez. Si vous connaissez bien la mythologie égyptienne, oui. Vous devez connaître quand même le dieu du soleil. Mais comme ça, Ra, mais... Je crois que là, je vais utiliser le 50-50. J'ai pas vraiment d'hésitation entre deux. Mais, d'un autre côté, vous consommez, si je puis dire, un joker. Il y a Ra qui est... Oui, mais... J'ai Ra dans la tête et... Je vais prendre le 50-50. Je vais prendre le 50-50. Ordinateur, voulez-vous retirer deux réponses qui sont inexactes, s'il vous plaît? Je dis Ra. C'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot. Pour 150 000 francs, Frédéric, Ra vous protège. Là, je comprends pas bien, pardon. Parce que, bon, vous me dites connaître bien la mythologie, vous dites Ra, hein, directement. Qu'est-ce qui vous a fait douter? Le trac. Le trac, oui. C'est terrible. L'enjeu. Oui, c'est vrai, parce que bon. Parce que là, c'est dommage, ce joker, il peut vous servir plus haut. Avec le recul. C'est rare. T'y a pas. Mais bon. Le palier numéro 2, c'est-à-dire 300 000 francs, est à votre portée. Voici la question. Quel est l'autre nom de l'acide désoxyribonucléique? A, BCG. B, ARN. C, ADN. D, OGM. Eh bien, puisque j'ai un bac S et que j'ai fait une option de biologie, cette question est pour moi très facile, donc je vais dire C, ADN. Sans problème. Donc l'acide, je vais vous le laisser dire. Désoxyribonucléique. C'est l'habitude, faut prendre. C'est l'ADN. C'est une habitude à prendre. À prononcer. C'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot.
Vous m'auriez dit BCG, vous auriez perdu. Vous m'auriez dit ARN, aussi. Vous auriez perdu. Vous m'auriez dit OGM, organisme génétiquement modifié. Vous auriez perdu. Pas de réponse. Ouais. 300 000. Quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Ouais. Quoi qu'il arrive, 300 000 francs. Vous ne voyez pas Émilie, elle est contente, elle est heureuse. J'imagine. Quel est le féminin de l'adjectif enchanteur? Enchanteuse. Enchantée. Enchanteresse. Enchantrice. Avant d'avoir les réponses, j'aurais déjà dit enchanteresse. Comme ça. Bon, évidemment, j'en suis pas sûr, mais... De toute façon, je peux pas redescendre. Pardonnez-moi. Je ne peux pas descendre, je ne peux que monter. Vous ne pouvez pas descendre puisque vous êtes à un niveau où vous êtes coincé, mais pour la bonne cause. Je vais dire enchanteresse. Puisque c'est vraiment, quand j'ai vu la question, c'est ce qui m'est arrivé tout de suite à l'esprit. Donc, oui. Enchanteresse. C'est votre dernier mot ? C'est mon dernier mot. Vous connaissez l'enjeu ? Oui. 500 000 francs. 500 000 francs. Un demi-million. Et je pense que ceux qui vous regardent seront vraiment enchantés. En plus, vous êtes tellement calme, vous donnez l'illusion d'être calme, alors c'est tempête... Je suis pas du tout calme. Bon. Pas du tout. Pas du tout. Frédéric, vous avez 500 000 francs. Ah oui, quand même. 500 000 francs. Il reste 4 questions. 700 000, 1 million, 2 millions, 4 millions. Et deux jokers. Dont un peu gaspillé, il faut bien le reconnaître. Enfin, le troisième a été un peu gaspillé. Mais bon, ne revenons pas sur le passé. Pour 700 000 francs, en 1991, le français Pierre-Gilles de Gennes a obtenu un prix Nobel. Lequel ? Littérature A, économie B, physique C, médecine D. Eh ben, là encore, puisque ben, j'ai un peu, de tout petit peu étudié les travaux de Gilles de Gennes, de très loin quand même, parce que c'est assez... Pour vos études, hein, puisque vous... Oui, bien sûr. Pour mon bac scientifique, je sais que c'est le prix de... Le C, physique. J'aurais hésité entre la chimie et la physique parce que je confonds avec Monsieur Charpak. Mais comme là, il n'y a pas chimie, il n'y a pas tergiversé, c'est la physique. Numéro C, physique. C'est vous qui avez offert la petite croix ou le petit bijou à Émilie ? Tout à fait. Parce qu'elle l'abîme un peu, là. Je vous dis ça comme ça. J'en étais sûr, je lui ai dit. Pardon. Vous dites donc ? C, physique. C'est votre dernier mot ? C'est mon dernier mot. Frédéric joue pour 700 000 francs. Frédéric. Pas de réponse. J'ai l'impression que vous n'en revenez pas vous-même. Vous savez, les études, ça, on n'en gagne pas beaucoup d'argent, on dépense beaucoup, mais... Il vous reste combien d'années Minimum une année, mais bon, là, je vais me dire que... Ah non, faites pas ça. Faites pas ça. Regardez, moi, j'ai fait comme vous, j'ai arrêté, regardez où je suis. Non, faites pas ça. Non, ce que je veux dire, c'est qu'avec un tel... Si je repars avec un tel pactole, on peut envisager d'aller plus haut. Vous n'êtes pas encore parti. Oui, j'imagine. La question
vaut maintenant 1 million. Dans les aventures de Tintin, quel médecin vient soigner le capitaine Haddock? Docteur Rotule, réponse A. Docteur Omoplate, réponse B. Docteur Ménisque, réponse C. Docteur Tympan, réponse D. J'ai lu tous les Tintins, mais je vois pas à quel Tintin ça se réfère. Là. Là, je vais prendre l'avis du public. Parce que là, si j'arrive à me rappeler. Par élimination, qu'est-ce que. Non, je. Parce que. N'influencez pas le public en tout cas, parce que. Au moins, son vote sera clair. Par élimination, on peut pas éliminer parce que, bon, c'est Tintin, ça peut être n'importe quel nom loufoque. Donc, on interroge le public? Voilà. Public. Vous connaissez l'importance de ce vote, public? Ce vote vaut 1 million. Dans les aventures de Tintin, quel est le nom du médecin qui vient soigner le capitaine Haddock, 1 000 milliards de sabords? S'agit-il A, du docteur Rotule, B, du docteur Omoplate, C, du docteur Ménisque, dès le docteur Tympan, public, attention, votez. Ah oui. Est-ce que ça vous rassure ou pas? Oui, oui. Je suis en train de. J'ai une vague idée de. Ah oui, c'est quand il se casse la jambe en tombant de l'escalier dans. Alors là. Dans 73% du public nous dit le docteur Rotule. À vrai dire, Le public, c'est. Bon, il s'est trompé quelques fois, mais ouais. Il s'est rarement trompé. Bon. Parce que j'ai des gens cultivés dans mes jokers, mais ce petit détail de Tintin, je vois pas qui pourrait. À ce niveau-là de culture, c'est ouais. Ça ce que vous vouliez dire. C'est tellement élevé, Tintin, que. Vous pouvez. J'ai pas de prix Nobel. Soit partir à 700 000 francs, soit répondre et gagner 1 million de francs, soit partir aussi, mais avec 300 000. Je vais répondre. Docteur Rotule. C'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot. Dans les aventures de Tintin, quel médecin vient soigner le capitaine Haddock? Le médecin s'appelle Docteur Rotule. Moi, j'ai confondu Tympan avec Trifon. Vous savez, le prénom oui. Trifon de... Trifon Tournesol. Oui, Tournesol. C'était bien retenu, le public avait raison. Vous pouvez remercier le public. Merci, public. Frédéric, d'ores et déjà, à ce niveau-là, sans présager de l'avenir, vous êtes l'un des grands gagnants de Qui veut gagner des millions, puisque vous avez là 1 million de francs. Vous pouvez me dire, après avoir pris connaissance de la question qui en vaut le double, je pars. Vous pouvez répondre et gagner le double. Vous pouvez répondre et perdre 700 000 francs. Mais gagner 300 000. Question. Dans quelle ville française Rouget de Lille a-t-il écrit la Marseillaise? A. Paris. B. Strasbourg. C. Marseille. D. Toulouse. J'ai eu la question il y a pas longtemps. Dans... Je sais plus quoi déjà. Avant les réponses, j'ai tout de suite pensé à Strasbourg, mais. Quand même 2 millions de francs. Strasbourg. Mmh.
Alors, on dit souvent que l'intuition est bonne conseillère. Elle peut aussi, parfois, hélas, prouver le contraire. Il vous reste un joker. Et je vous rappelle que l'enjeu est de 2 millions. Je vois Strasbourg, mais si j'utilise mon joker pour entendre Strasbourg, ça va me... Je comprends. Ça va vous énerver. Ça va m'énerver. Est-ce que vous êtes joueur? Oui. Strasbourg. Et j'utilise pas mon joker. Et gonflé, hein? C'est votre dernier mot? Oui, c'est mon dernier mot. €2 millions en jeu. Dans quelle ville française Rouget de Lille a écrit la Marseillaise? Nous allons nous retrouver dans quelques petits instants. A tout de suite pour Qui veut gagner des millions. Merci. Pour jouer à Qui veut gagner des millions, 08 97 66 50 50 ou votre Minitel 36 15, code TF1. L'émotion est à son comble ici sur ce plateau avec Frédéric, soutenu par Émilie. La question était, dans quelle ville française Rouget de Lille a-t-il écrit la Marseillaise? Vous jouez, Frédéric, pour 2 millions €. Vous avez joué. Vous m'avez dit Strasbourg et avez validé la réponse. Rouget de Lille a écrit la Marseillaise à Strasbourg. Yeah! Le champ de guerre pour l'armée du Rhin. C'est ça. Ça va? Ouais. Je suis content que ce soit Marseillaise qui me fasse gagner. Vous avez 2 millions. 2 millions. 6-0. Vous avez 2 millions €. Ah, il y a 6-0 quand même. Oh, oh. Vos parents ou sans doute vos grands-parents auraient dit 200 millions. Mes parents aussi. Mes parents aussi. Alors, l'euro. C'est la première fois que nous arrivons à ce niveau du jeu. C'est la première fois que je vais donner lecture de la question numéro 15. Laquelle de ces orthographes est correcte? Australopithèque. 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 Australopithèque avec un Y. Ça va être difficile avec le joker parce qu'il va falloir répéter, mais ouais, c'est pas possible. Je vous conseillerais quand même de l'utiliser puisque vous l'avez. Ouais. Alors, comment s'écrit Australopithèque? A-U. Capitaine Haddock, me l'aurait. Deux O pour la réponse B. Deux fois A-U pour la réponse C. Et O et Y pour la réponse D. Bien sûr, il faut l'utiliser, ce joker. Nous sommes d'accord puisque... Ouais. Est-ce que vous avez déjà une petite idée? Oui. Une institutrice. Pardon? Une institutrice. Une institutrice? Martine. Martine. Martine, oui. Et vous, votre propre idée? Le A. Ouais. Vous dites là, pardon? Le A. Le A. On appelle donc l'institutrice? Oui. Enfin, d'un premier abord, le BLD me convient pas. Je vois bien à U. Essayez, avant qu'on fasse le numéro de téléphone, essayez d'imaginer comment vous allez vous y prendre pour dépenser le moins de secondes possible.
Je crois que ça va être les deux O. Comme vous voulez. On appelle donc Martine. Martine. 4 millions. 4 millions de francs pour Frédéric. BTS d'informatique. 21 ans. Martine, bonsoir. Bonsoir. C'est Jean-Pierre Foucault à l'appareil. Bonsoir. L'émission Qui veut gagner des millions. Martine, nous vivons un moment exceptionnel avec Frédéric, que vous connaissez. Oui. Il a besoin de vous pour une question qui vaut 4 millions de francs. Oh là là, c'est pas bouti. Donc c'est 4 millions de francs. Autant vous dire que ce que vous allez dire est essentiel, capital pour Frédéric. Vous êtes prête, Martine? Oui, je vous écoute. Vous allez écouter Frédéric. Chrono. Laquelle de ces orthographes est correcte? Alors, c'est Australopithèque. On a Australopithèque AU et O. AU, enfin deux fois AU. Ou alors, les deux derniers, c'est TH ou seulement T. C'est AUSTRALOPITHEQUE. T-H-E, accent grave, Q-U-E. Vous répétez, Martine? A-U-S-T-R-A-L-O-P. C'est le A. Il me semble que c'est... Vous voyez, c'est vous le dites... A. C'est le A. Merci, Martine. Donc, Martine vous a dit... Réponse A. Je l'ai souvent écrit, ce nom-là, en plus. Ça fait partie de mon programme de biologie, pareil, du bac. C'est les Australopithèques, l'évolution de l'homme. L'être qui arrive juste avant l'homo. C'est-à-dire que vous pouvez dire je pars avec 2 millions. Ouais. Vous pouvez, à l'issue de cette décision, si c'est la bonne réponse, A, me dire je viens de perdre bêtement 2 millions. Ouais. Vous pouvez d'autre part me dire je viens de perdre bêtement 1 700 000. Puisque vous va falloir retomber à 300 000. On est d'accord. Exact. Je préfère être dans ma situation que la vôtre, mais enfin bon. Pour ce qui concerne la décision, pas pour ce qui concerne l'enrichissement personnel, bien entendu. Bon, BD, c'est pas là. C'est à cause. Non, c'est je veux pas vous pousser au crime. Hein. Elle est institutrice. Oui. Mais le AU, non. J'ai tellement eu je l'ai écrit pendant un an, dans plein de devoirs. Et vous l'avez écrit comment? Je l'ai écrit avec un O, moi. J'ai écrit A. Bon, il n'y a que ça, il y a le... Oui, c'est sûr, il y a un H. Il n'y a pas de O pour commencer, c'est pas possible. Austra, de toute façon, la base, Austra. Par les racines, peut-être, oui. Oui. Austra, c'est sûr. L'Opitec, enfin, l'Opi et Tech, je crois. Tech, c'est sûr. T'as un H. Je vais le tenter. Je vais le tenter. Je vais répondre A. Australopithèque. A. Est-ce que c'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot. Frédéric joue pour 4 millions de francs. Frédéric, c'est la bonne réponse! Ah, le félicitations! Thank you.
4 millions de francs. Ça va ? Vous allez bien ? Vous étiez conscient ? Ouais. Vous saviez qu'il allait gagner ? Sans problème. Frédéric, nous sommes très très heureux et très fiers de vous confirmer, toute l'équipe de Qui veut gagner des millions, que vous venez de gagner 4 millions de francs. Eh bien, Frédéric, vous pouvez à nouveau embrasser Émilie. Je me retire, discrètement. Qu'est-ce que... Maintenant, allez, essayez de retrouver un petit peu vos esprits. Qu'est-ce que vous... La première chose que vous allez faire, parce que je suis certain que vous imaginiez beaucoup de choses, mais peut-être pas d'aller si haut. La première chose, rien. Je crois que je vais... Un mois, il faut que je réfléchisse. Oui, mais attendez. Je crois que... Vous êtes, vous me rappelez que vous êtes en BTS de l'informatique. Vous y allez lundi, non? Oui, bon, oh là là. comment ça, vous n'y allez pas lundi? J'y vais à 10h. Vous avez cours à quelle heure lundi? À 10h. À 10h. Bon. Vous mettrez un costume, une cravate, une limousine. C'était une lunette de soleil, un imperméable, un chapeau. Écoutez, en tout cas, faites ce que bon vous semble. Cet argent est à vous et vous l'avez bien mérité. Merci beaucoup. Pour vous, peut-être la semaine prochaine. 4 millions de francs venus ici pour Frédéric. On a vécu une émission exceptionnelle. Nous serons de retour samedi à 19h et 20h50. Frédéric, encore une fois, bravo. Un petit mot quand même, Frédéric, si vous êtes là, c'est en partie grâce à l'un de vos professeurs, puisque... En fait, mercredi après-midi, j'avais un devoir d'économie que j'ai complètement, lamentablement loupé. Donc je suis sorti 2 heures en avance et je suis tombé sur le dernier et ultime coup de téléphone. J'avais deux messages sur mon répondeur et un qui me disait « on appelle à 5h », j'ai été là et j'ai répondu. Autrement, si j'avais reçu le DS, j'étais pas là. Eh bah écoutez, bon... Bah...